Voici le VDL numéro 2 spécial 200 000 abonnés, c'est parti. Bon, pour commencer les gars, là on est en tournage de court-métrage. Donc bah, vous allez voir bah, un peu comment on fait une vidéo. Du coup on va commencer par la première scène, let's go. Ok bon, du coup pour la première scène en fait, je vais être assis sur une chaise. Alors là il y a beaucoup de commentaires bah, méchants là. Et en gros bah, je vais être un peu dévasté de tous ces commentaires méchants. Et après bah, vous verrez la suite dans etc. Ça va être un banger. Bon en fait première scène c'est là où je dors. Donc je vais dormir comme un gros PNJ. C'est parti. Bon. Un plan en une mois. Premier plan, let's go. Ok bon, du coup, première scène c'est fait, du coup là j'ai dormi. Maintenant on va faire la scène où je vais sur le PC, donc qui est juste là. Voilà, et du coup bah il y aura tous les commentaires méchants. Et puis voilà, bon, il y a Jules qui est là, du coup je vais pas le montrer. Donc on se retrouve quand on fait la scène. Ok bon, du coup là j'ai sur la chaise. Ok bon, en vrai, je pense que le court métrage, je sais pas quand il va sortir, mais quand il sortira, je pense que c'est un banger. Donc j'espère que vous irez le voir. Hein. Et voilà quoi. Ok, du coup voici tous les commentaires méchants qu'il y a. T'as fait la buzz cut, c'est nul. Carrément, mets un like. Voilà, 4 likes. Ok, prochain plan. Bon, du coup les gars, pour tous, bah, pour les plans qui sont là, normalement c'est bon, on a tout fini. Du coup, bah, on se retrouve dehors. Let's go. Du coup là c'est bon, on a fait tous les plans qu'on avait à faire dans la maison. Du coup là on part dans une forêt. Et franchement en vrai je pense que ça va être un banger. Et d'ailleurs les gars bah, j'avais dit qu'aux 150 likes bah, sur le premier VDL j'allais faire une partie 2. Je crois qu'on est à 200 likes. Je sais pas on a combien. Je crois qu'on est à 200 likes précisément. Donc c'est quand même bien. Donc là ça va être simple, je vais demander 200 likes. 200 likes partie 3. Ok. Donc c'est à vous de jouer quoi. Hop voiture, merde. Nickel. J'espère que c'est pas un kidnapping hein. Ok bon du coup là le plan ça va être je cours c'est ça non? Ok bon du coup là les gars le plan ça va être genre je marche tout droit avec mon sac à dos. Genre en fait un peu je fuis. Et même en fait là bah avec ce qu'on fait comme plan essayez de chercher, essayez de me dire dans les commentaires c'est quoi l'histoire. Mais de toute façon et bah vous verrez dans le court métrage. C'est bon. Le plan est fait, je sais pas si j'ai marché comme un guignol mais je pense que ça fait l'affaire. Du coup là on retaille, on va faire un autre plan, parti. Et aussi les gars n'hésitez pas tous à aller voir ma dernière vidéo, je vous la mettrai en fiche, juste là. Voilà, 300 000 abonnés, là ça monte trop vite hein. Mais bon, déjà go se concentrer sur les vidéos longues. Et puis quand ce sera bon là on rushera les 300 000, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million. Et l'objectif, être à Webedia. Le jour où je serai à Webedia, je ferai un VDL. Et ça sera la fin des VDL, voilà. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi, donc go et 200 likes. Et comme ça on fera une partie 3. Ok bon du coup c'est bon là, on a trouvé un endroit pour faire le prochain plan. Donc du coup c'est quoi? C'est... le sentier des gorées. C'est un trou noir je pense. Demande-moi ça là. Oh la vache, c'est un trou noir machin. Bon allez, je vais faire le plan parce que là attends lui. Bon en fait et bah la caméra quand elle est tombée et bah elle s'est coupée, du coup bah on a fait un plan. Bon, en gros le plan c'était. En gros bah je continue à marcher sauf que là du coup j'ai tourné quoi. Et en gros là le prochain plan ça va être en mode bah je marche toujours et là je vais entendre un bruit. Et en gros bah il va y avoir Jules de dos. Du coup je vais avoir peur et après vous saurez la suite. Bref, on fait le plan. Ok c'est parti, on fait le plan. 3, 2, 1. Ok bon du coup les gars là on a fait un plan et on va refaire un plan. En gros là-bas il y a la caméra. En gros bah c'était comme si Jules bah, me regardait et moi du coup bah je me barrais en courant. Sauf que du coup bah après bah, vous allez voir la fin de l'histoire. En vrai c'est un petit court métrage mais qu'en vrai qui est quand même pas mal. Donc en vrai bah c'est quand même bien. Voilà. Pendant le contenu n'hésitez pas hein, à vous abonner avec la cloche, à mettre un petit like, à partager, à mettre un commentaire. Ça me touche énormément. C'est voilà, c'est incroyable. Let's go. Bon les gars j'ai couru, j'en peux plus déjà là. Je sais pas si c'est bien ou pas le plan. Ok bon du coup les gars là on va couper, on va voir si le plan il est bien. Et regardez comment c'est stylé en vrai de vrai. On voit que c'est en vrai, on dirait un vrai humain qui court genre. Bam, 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 bam.
Pas mal en vrai de vrai. Putain, c'est un vrai cadreur lui. Hein. Du coup, là, enfin, on a fait un plan derrière de quoi il me suit. Et maintenant, on va faire un plan de devant, du coup, quand je cours. Enfin, pour faire différents angles de caméra. Pour faire un vrai film hollywoodien. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Nickel, plan terminé. Vrai film hollywoodien. Ça risque d'être le meilleur court métrage de ma chaîne YouTube. Hein. Ok, gars, bon, du coup, là, prochain plan. Pour revenir au plan, les gars. Alors, en gros, là, c'était un plan où là, je vais courir et je vais m'arrêter ici, là. Et en gros, je vais dire. On est où là? Allez, faut que je mette dans la pause des vlogs là. On est où là? Les gars, je n'ai pas rigolé, je me suis dit en vrai. Non, au début j'ai voulu rigoler, après j'ai dit je vais faire en mode un peu le mec qui a peur ou quoi. Merde le plan. Et voilà. Ok. Ok, bon, du coup, les gars, là, j'ai fait un plan où je marchais normal. Ok, bon, du coup, les gars, prochain plan. En gros, je suis là, genre. Et vu que j'ai beaucoup couru et je suis perdu, et il y a une rivière et je vais dire, j'ai des soif, etc. Et je vais trouver un coin pour dormir. Du coup, on fait le plan, let's go. Trop soif, j'en ai marre, là, je suis perdu. Merde. Les gars, on prend des risques, hein. Là, mon téléphone, il tombe, j'ai plus de téléphone. On prend des risques, mais c'est pour YouTube. Les gars, j'ai vraiment vu alors toi les pollués de terre, de bêtes, de... Oh les gars, j'ai vraiment vu alors toi les pollués de je sais pas combien. Oh, ça fait du bien. Bon, maintenant faut trouver un coin pour dormir. En vrai les gars, vous, pas pour vous, peut-être que le court métrage, il a pas trop de sens. Mais quand vous verrez le montage, vidéo, etc. Là, ça aura du sens et vous... En fait, faut voir s'il y a déjà des gens qui comprennent l'histoire. Parce que si vous comprenez l'histoire, ça fait plaisir. Bah c'est parti. Ok, bon du coup les gars, prochain plan. En gros, je vais arriver, je vais prendre un bâton. Je vais un peu tirer tout les feux qu'il y a pour essayer de dormir. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis perdu dans la forêt. Bon du coup, on peut faire le plan et c'est parti. Hein. C'est parfait ça. Nickel. Non, il s'est cassé le bâton. On recommence, prise 2. Ok, allez. Oh, c'est pas mal ça. Ok, bon, du coup maintenant les gars, on va faire un plan où je m'endors. Et voilà du coup. Oh putain, il y a un moustique qui me mange. Les gars, on a trouvé un bâton de baiser, de fafac, de R, un bâton de baiser. Les gars, je souffre. J'ai un bâton qui me rend dans le cul. Les gars, je dois rester par terre parce que on m'a ordonné de rester par terre. Les gars, franchement, vous vous rendez pas compte à un point. Théma. Les gars, je suis sûr des. Je suis sûr. Eh, ça se trouve, il y a des migales dedans, il y a des grosses bêtes bizarres. Moi, je fais quoi? Je suis allongé dedans. Comme quoi, dans la vie, il faut tout expérimenter. Hein. Ok, bon, tiens la cam. Les gars, en fait, on a besoin du téléphone pour faire un plan pour le court-métrage. Du coup, on se retrouve après. J'ai pas des mystères. Tu es où depuis 2 ans? On est en 2026. On t'a pas vu depuis 2 ans. Reviens s'il te plaît, Lucas. J'ai juste dormi, ça fait pas 2 ans que j'ai disparu. On est toujours en 2024, je comprends pas, c'est le bordel. Ok, c'est bon, plan terminé, les gars. On se retrouve re. Bon, pour vous, ça a été juste un petit montage, mais pour moi, ça fait 100 minutes que je parle plus avec vous. Pour le VDL, bien sûr. Donc, du coup, les gars, on va continuer les plans. Let's go. Bon, du coup, les gars, le prochain plan, en gros, je reprends mon sac et je me barre. Du coup, je me barre où je suis parti. En courant, en marchant. En marchant, du coup, let's go. Les gars, c'est bon, plan terminé.
là bah, on va faire le plan. Et franchement les gars, restez jusqu'à la fin du VDL car à la fin du VDL j'ai une petite surprise pour vous. Vous pourrez mieux me connaître, vous verrez c'est une dinguerie. Alors restez jusqu'à la fin. Ok bon du coup les gars, le prochain plan. Alors en fait il y a Jules qui a fait une affiche, je vais vous la montrer, voilà. En vrai c'est quand même bien fait. Et en gros en fait bah dedans j'ai du scotch et un ciseau. Et en gros bah je vais la coller à cet arbre là. Et en bah, genre bah, en mode bah, je suis wanted, genre bah, je suis recherché. Et en gros bah regardez, je suis disparu, etc, etc. Mais en vrai déjà c'est quand même bien fait, GG. Et voilà. Ok on colle ça à l'arbre. C'est parti gars pour le plan, let's go. Bon du coup là les gars je vais faire l'arracher bah, pour faire genre que c'est faux, c'est pas vrai. C'est parti, ok, allez. C'est quand même bien fait ce truc hein, nickel. Let's go. Non en vrai de vrai gars, ça va être un court métrage incroyable. Du coup les gars, ça là je vais la mettre chez moi. Ou alors est-ce qu'on a encore besoin là. Bon du coup les gars, ça là je la ramène chez moi. Allez hop dans le sac. Allez c'est bon. Allez hop. Ok bon du coup les gars, ce que je vais faire c'est qu'en gros bah il va y avoir bah, Jules là-bas qui est de dos. Du coup en gros moi bah, j'ai rangé la feuille, je vais pas. En gros je vais prendre la feuille, je vais la ranger, je vais me barrer en courant. Parce que bah il est là. Et en gros bah je crois que l'histoire, la fin de l'histoire vous saurez après à la fin de l'histoire. Les gars Jules il s'est niqué le pont où j'ai mis la caméra tout à l'heure, il tenait pas. Donc mon téléphone il aurait pu tomber. Et comment c'est possible? Au moment où je dis tomber le téléphone il tombe. Ta forêt elle est hantée Jules. Ok bon du coup les gars c'est parti, on va faire le plan. Let's go. Oh les gars, la caméra elle est tombée par terre. Heureusement. Mais bon, en vrai c'est un court métrage à 0€, je vais la faire en vrai. Donc du coup les gars là c'est bon. Donc du coup là on va faire un plan où bah du coup bah, on voit Jules de dos. Et du coup bah ça veut dire bah, qu'il est revenu. Du coup je lance l'acteur dans 3, 2, 1, c'est lancé. Et les gars, on allait oublier le wanted. Je pense qu'on va quand même le garder, sinon c'est un peu voilà quoi. Ok bon du coup les gars là prochain plan, bah du coup en gros là je vais recourir dans le sens où bah tout à l'heure je suis allé. Donc en gros là bah, on a fait avant, du coup là on fait arrière et voilà. Ok, on continue à courir les gars à la sortie. Allez. C'est bon les gars, on a. Du coup là, je pense que on va faire que de courir là, non? Donc du coup en fait là les gars ce qu'on va faire c'est qu'en gros là on va courir et je vais arriver sur cette butte là. Je vais essayer de la monter sauf que du coup bah je vais tomber et normalement après il y aura bah, Jules qui va venir m'assommer avec un bâton qui est par terre et je vais me réveiller dans mon lit, on verra après. Les gars, je suis étalé dans la butte de terre. J'ai des fourmis qui montent sur moi, genre franchement premier degré. Les gars, c'est dur un court métrage, hein, mais bon, comme ça vous voyez l'envers du décor. Et comme ça, bah ça vous fera aller regarder plus mes vidéos longues parce que les gars, le travail qu'il y a par terre, c'est hallucinant dans premier degré. Donc franchement, les gars, allez voir toutes mes vidéos longues, mes dernières vidéos longues, ça ferait hyper plaisir. Mettez des likes, des commentaires, et des boss les gars, et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, car à la fin du VDL, il y a un truc qui va se passer, c'est incroyable. Sur vous, les gars. Ok bon donc du coup là on a posé la cam à côté et on va faire le plan du coup là où il m'assomme et après bah je vais me réveiller dans mon lit et vous verrez la fin et vous me dites en commentaire pour vous c'est quoi l'histoire. Après bah vous verrez bien dans le vrai court métrage quand il sortira bien monté. Mais voilà en vrai c'est un petit film hein. Voilà, allez voir cette go. Comme ça. T'es mal les gars. Les gars, fin du tournage dans la forêt, c'est bon. Il reste plus qu'un plan, non? Ouais. Plan. Il reste plus qu'un plan, mais avec différents angles. Et on aura tout fini. Donc, let's go. Bon alors les gars là, en fait là, on a oublié juste un dernier petit plan. Bon c'est pas grave, on va le faire et puis voilà. Bon donc du coup les gars, on se retrouve après quand on aura tout fini les plans dans la forêt. Let's go les gars. Ok les gars c'est bon, on a fini tous les plans dans la forêt. En vrai franchement c'est pas mal. Encore une fois les gars, merci à Jules les gars parce qu'en vrai c'est lui qui a préparé tout ça. C'est lui qui a préparé vraiment tout ce qui est script, montage, etc. C'est lui qui a tout fait. Les gars, on a oublié le petit dessin Wanted de Lucas. Je vais le mettre dans ma chambre, mais je vais essayer de bien le décorer. Mais voilà, encore une fois, les gars, je voulais vraiment dire merci à Jules, car lui, c'est vraiment lui qui a tout fait. Donc, bah, c'est lui qui a fait le script, qui fait les minias. Franchement, je voulais remercier tout le monde. Je voulais remercier Titouin de m'aider sur YouTube. Mathieu, bon, je connais pas son vrai pseudo, mais c'est Mathieu. Jules et moi-même, encore les gars, franchement, merci beaucoup pour tout. Hein.
hein, parce que j'en ai pas encore une fois, mais il y a 2 ans j'avais rien. C'est qu'à 0 abonné, mon rêve c'était vraiment d'être pas d'être youtubeur, mais de vite. Enfin oui, si c'est d'être youtubeur genre. Et là bah voilà, du coup les gars, prochain objectif 300 000 abonnés hein. Et peut-être plus tard Webedia. Alors les gars, on se retrouve dans la maison pour faire le dernier plan du court métrage. Du coup les gars, voilà, on a le dessin. Donc carrément je vais le ranger, tiens. Ok les gars, suite du VDL. Alors en gros pour la suite ça va être un peu une FAQ de fin. En gros les gens m'ont posé des questions, donc des abonnés, et je vais y répondre. Comme ça c'est un peu une FAQ après je sais pas combien de temps. Voilà, et du coup je vais faire une FAQ, du coup première question, j'attends. Pourquoi c'est le code de YouTube, les gars c'est quand tu commences sur YouTube, y a des gens que tu vas surkiffer à mort, il y a des gens que tu vas pas aimer. Par exemple, tu peux avoir 100 abonnés, dans les commentaires, il y aura des gens qui vont te dire ouais t'es le roi de YouTube, t'es le boss. Par contre, t'auras des commentaires méchants. Ça, malheureusement, ça fait partie de YouTube quoi. Donc genre c'est le gars ouais t'es une grosse merde, YouTube, bref, je vais pas vous dire, c'est. Enfin voilà. Donc merci beaucoup de dire que je suis GOAT, mais voilà, le boss hein. De vivre YouTube, d'être à Webedia, de faire des grosses vidéos de malade, me surpasser, toujours faire plus, et c'est tout. Quel métier j'aimerais faire? Alors après je pense que je ferai un truc dans l'audio, enfin un peu dans le cinéma, vous voyez. En gros j'aime bien créer ou quoi, genre acteur. Non, pas acteur, vous voyez, un peu c'est dur, je sais pas quoi faire en fait. Mais un truc dans, enfin je sais pas le métier exact, mais un truc dans les vidéos, ça c'est sûr et certain. Alors, je jouais à Roblox il y a 3 ans, que j'ai arrêté parce que c'est devenu quête, enfin je joue comme ça. Du coup, non, je joue plus, j'ai plus Roblox, mais non, du coup, désolé, je joue pas Roblox, voilà. Alors bon, pour ce qui est miniature, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jules qui est derrière la caméra. Et il fait les miniatures sur tout, sur cet écran-là. Donc du coup, non, c'est pas moi qui fait ça, et il fait sur Photoshop, mais c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi, moi je suis un gros flemmard. En fait les gars, je joue pas trop à des jeux vidéo, mais Fortnite hein, en fait je joue que à ça, donc ouais Fortnite hein. Déjà, quand je travaille Webedia les gars, les shorts, je pense que je continuerai à faire des shorts, mais ça sera déjà le trick shot, ça sera beaucoup plus dur à faire, enfin ça sera pas, enfin comment dire, ça sera plus mes shorts que je fais aujourd'hui, ça sera des shorts beaucoup mieux, genre avec des trick shots beaucoup hyper durs genre, voilà. Après pour ce qui est des gros projets, en vrai je vais essayer de faire au moins une grosse vidéo de malade chaque mois pour les feats. En vrai vous voyez Webedia il y a des youtubeurs, donc pourquoi pas vous voyez leur demander de faire les vidéos avec moi quoi, ou alors je serais peut-être en contact avec des youtubeurs que je connais, donc voilà, du coup je pourrais faire des feats avec eux quoi, voilà. Et les projets en vrai je l'ai déjà dit, essayer de sortir une grosse vidéo chaque mois, c'est objectif. Et surtout prouver aux gens que si je le fais, c'est possible, vous voyez. Voilà. Moi c'est Noctile. Pourquoi Noctile? Vous voyez, il y a plein de youtubeurs comme Amixem, Joika, Mathieu, etc. Vous voyez, eux je les aime bien. Mais Innocent, en vrai, c'est plus parce qu'en gros, il veut toujours faire plus en fait. Par exemple, l'Everest, je sais pas, je pense que quand cette vidéo sortira, il y a le documentaire d'Everest qui est sorti. Mais franchement, ce mec, j'adore Enox. Je pense que. Tu voyais, quand il était petit, il disait que ça allait être une légende de YouTube. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est une légende de YouTube. Enfin, s'il disparaît, déjà là, chaque minute, il y a des commentaires. Ouais, Nox, t'es où? En vrai, les gars, ce serait pas. En vrai, je pense que ma première vidéo, vous voyez, quand je serai plus grand ou quoi, j'essaierai de la refaire. Parce qu'en fait, ma première vidéo, j'avais dit que à 100 likes, j'allais faire une partie 2. Il y a 150 likes, je crois, j'ai plus combien de likes. Mais plus tard, je ferai la partie 2. Mais vraiment hyper bien, genre, avec du budget. Et vous y attendrez pas. Ok. Bon, du coup là les gars, pour les questions d'abonnés c'est bon. Maintenant c'est juste qu'il va me poser des questions. Là à 18 ans, en vrai, déjà je sais pas si je vais arrêter l'école, parce qu'en vrai, je pense, mais je sais pas. En vrai, vous voyez, là j'ai créé une équipe, mais vous voyez si je m'entends bien avec l'équipe ou quoi, genre, je la garderai. Mais après, vous voyez, Webedia c'est une boîte. Donc là-bas, il y a des boîtes de prod, il y a des gens, etc. qui viennent chaque jour à travailler ou quoi, genre. Et peut-être que j'en prendrai 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, vous comprenez, bon. Pas aussi 10 millions, mais voilà quoi. En vrai, la plus grosse vidéo que je vais faire, en fait, ça paraît ouf et dingue, mais pour moi, la plus grosse vidéo au monde en vrai, sur ma chaîne en vrai, je pense, aller dans l'espace. Franchement, en vrai, parce que vous voyez, il n'y a pas de youtubeurs qui sont vraiment allés dans l'espace, vous voyez, en vrai, aller sur l'espace, en vrai, ça serait incroyable. Du coup, voilà, aller dans l'espace, ça serait incroyable, et en vrai, maintenant c'est impossible, mais peut-être si un jour je peux, je vendrai plein de marques en masse, et on fera ça quoi. Alors en fait, en gros,
Alors, en gros, c'est Jules qui m'envoie un message, il me dit ouais Lucas, j'ai une idée de vidéo, du coup il m'explique, machin machin, je dis ok. En gros lui, enfin il fait tout, enfin il fait le script, mais en gros moi j'améliore le concept et tout, genre, voilà. Après on donne un rendez-vous chez lui pour tourner la vidéo. Après du coup on tourne la vidéo, on envoie toi à Kylian le monteur, puis le montage, et après du coup on a des vidéos d'avance. Voilà.